Ben, le fil d'actu, c'est vrai que je suis dans cette tenue. Il faut donner les informations qui quand même correspondent à cette tenue. Le concours, je reviens là-dessus, le concours d'entrée direct à la police nationale est déjà ouvert. Le concours est déjà ouvert depuis le 10 juin. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 10 juillet. Et donc, les conditions pour les sous-officiers, l'âge limité est de 25 ans. Il faut être titulaire d'un BEPC et puis pour les officiers, 28 ans, bac BTS, les élèves commissaires, 30 ans, niveau maîtrise ou master. Donc arrêtez vos histoires de réseau. Moi-même, mon neveu, je l'ai inscrit déjà en ligne et les choses se déroulent bien. Donc il faut avoir un extrait, il faut venir avec son extrait de naissance, un casier judiciaire, un certificat de nationalité. Donc le concours ouvert, allez-y, laissez les histoires de réseau. Alors, Hajj 2024, ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est plus de 1000 pèlerins qui sont morts. Vous allez voir les images, qui sont morts pendant le Hajj cette année. La raison, une forte chaleur avec une température qui dépasse les 50 degrés Celsius. Et donc, l'Indonésie, l'Iran, le Sénégal, la Tunisie et la Jordanie ont signalé des morts parmi leurs ressortissants. Alors, malheureusement, chaque année, des milliers de pèlerins tentent de participer au Hajj sans autorisation officielle. Alors, ce qui leur interdit l'accès aux installations climatisées. Donc, malheureusement, il y a des décès. Alors, on va terminer par le transport en Côte d'Ivoire. Une très bonne nouvelle pour les VTC, très bonne nouvelle. Alors, désormais, on saura qui est qui à Abidjan ici. Souvent, on ne sait pas faire la différence entre VTC et VTFG, entre véhicules de transport avec chauffeur, véhicules de transporteur, de femmes, des gens. Eh bien, bonne nouvelle, il est désormais exigé aux entreprises de transport, d'afficher la mention voiture, transport avec chauffeur, avec grand caractère d'imprimerie, visible et lisible. Alors tout refus sera sanctionné. Donc désormais on saura qui est VTC. J'ai pas envie de citer non, il y a les Goyens là-bas, tout ça là. Mais on va voir dessus véhicule de transport avec chauffeur pour que chacun soit situé. Voilà. Voilà les voitures qui viennent déposer souvent nos épouses. On ne sait pas si c'est VTC. Bon, un chauffeur qui a dents en diamant. Ça fait peur quand même. Alors, félicitations et merci au ministère des Transports. Merci, docteur. Merci.